Bonjour, pour cette quatrième vidéo, nous allons nous lancer dans un nouvel accord auquel on va donner le joli nom de Do majeur, mais peu importe pour l'instant le nom qu'il porte, on va voir ça de manière physique. Ce premier accord, on va le jouer avec notre repère étant le majeur sur la grosse corde à la huitième case. Voilà. En fait, c'est un accord qui va être composé de trois notes. Donc comme chacun sait, la guitare a six cordes, donc comment on va faire donc trois notes, on va faire donc résonner trois cordes, il y a donc trois cordes qui ne vont pas résonner. Et la particularité, c'est que ces trois autres cordes, on va les étouffer, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'elles ne puissent pas produire de son. Donc la grosse corde, donc la corde de mi, va jouer donc à la huitième case avec le majeur. Celle d'après, on l'étouffe justement. La suivante, on la joue avec l'index à la case numéro 7. Et celle d'après encore, avec le petit doigt, le pinky, à la case numéro 9. Donc si je joue tout ça, les cordes suivantes, les cordes aiguës, sont étouffées, ce qui est d'ailleurs très souvent le cas dans ce style où elles sont rarement jouées. Donc si je joue l'ensemble, ça ressemble à ça. De plus près, donc ce qu'on appelle le Do. Voilà, donc pour se donner envie de jouer longtemps et donc que les automatismes rentrent, il faut donc avoir quelque chose d'un petit peu agréable à jouer. On va créer une séquence, qu'on appelle une progression, de quatre accords. Dans ces quatre accords qu'on va jouer en boucle, le premier sera donc le Do majeur qu'on vient de voir à l'instant. Et puis, rien de nouveau, en fait, le second accord sera celui qu'on a vu précédemment, ce qu'on a appelé le La mineur. Le troisième, ce sera tout simple, ce sera la même forme d'accord décalé, c'est-à-dire au lieu de la jouer à la case numéro 5, on va la jouer à la case numéro 10. Et d'ailleurs, au passage, il va devenir ce qu'on va appeler un Ré mineur. Et le quatrième et dernier accord, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait la dernière fois. Vous savez, quand on a fait La mineur Ré 7, on avait changé simplement une note. Là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci à la case numéro 10, à partir du Ré mineur dont je vous ai parlé à l'instant. On va faire... Voilà, donc les quatre accords de plus près. Celui qu'on va appeler le Do majeur, ensuite La mineur. Ré mineur, Sol 7. Peu importe les noms, on s'en fiche complètement pour l'instant. Donc en fait, on va jouer tout ça en boucle à raison d'une mesure par accord. Donc pour l'instant, ça va ressembler à quelque chose comme ça au niveau des durées. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Pour corser un petit peu l'affaire, donc on va d'abord le jouer comme ça, sur le premier temps, avec le métronome, d'accord ? Uniquement un temps par mesure. Donc quand vous entendez le 1, vous jouez, et puis c'est tout. Donc le métronome, indispensable pour acquérir un sentiment rythmique, je l'ai placé à 50 pulsations par minute. Voilà, comme ça. Donc, petite difficulté, démarrer de telle manière à ce que le métronome joue ce qu'on appelle l'afterbeat, c'est-à-dire le 2 et le 4. 1, 2 et 1. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà, vous pouvez faire ça aussi longtemps que vous voulez, aussi longtemps qu'il y a des piles dans le métronome et que vos voisins vous laissent tranquille. Et si vous voulez corser un petit peu l'affaire, on va faire la même chose, mais en jouant une pulsation plus typiquement jazz swing, c'est-à-dire en jouant tous les temps. 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 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 etc. Encore.
courage.